Quand c'est qu'on fini, maman vient chercher moi. L'habitude, c'est une coupe indien. Yo te ka kembe me a, yo te ka descendre au bout Saint-Anne, mais pas d'où là yo te ka aller et puis yo te ka remonter à Coussel. Chivé à femme là te ka toucher presque talon aïe. C'est en beauté tout bonnement. Yo te ka marcher à pied comme ça. À nous trouver tous les deux nayé à dans canal là té là cou. Yo ne coucher côté l'autre. Yo kembe me à l'autre pour dire. Envoyé ici à moi tenir 7 ans en 1928. Voilà, la Guadeloupe fait partie de l'arc des Petites Antilles et cet arc se situe entre, on va dire globalement, l'équateur et le tropique du Cancer. Et donc dans la zone intertropicale, dans une zone de formation de ce qu'on appelle des cyclones tropicaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Olivier Stirn, le secrétaire d'État aux départements et territoires d'outre-mer, est rentré à Paris ce matin après un séjour aux Antilles. Il a confirmé en arrivant qu'il était quasiment impossible de prévoir quand aura lieu l'éruption de la Soufrière, si elle a lieu d'ailleurs, et quelles en seront les modalités et les conséquences. Il n'est donc pas question pour le moment que la population de Basse-Terre réfugiée au nord de la Guadeloupe rentre au pays. À cette grande inquiétude vient s'en ajouter une autre ce soir. Un cyclone se dirige vers les Petites Antilles et risque d'atteindre la Guadeloupe dans la nuit ou demain. Le préfet a donc décidé, avant de déclencher le plan hors sec, d'établir ce qu'on appelle une préalerte, de façon à protéger au maximum la population. Les cyclones tropicaux qui prennent naissance depuis l'Afrique et qui peuvent aussi se déplacer, se propager ou prendre naissance jusque sur les côtes des Amériques. Voilà, et donc nous sommes en beau milieu de cette autoroute et c'est pour ça que nous avons régulièrement des alertes cycloniques. L'avantage du cyclone, c'est que ça prévient, on le voit venir longtemps à l'avance grâce aux satellites notamment. On peut le prévoir, on peut s'organiser pour, et surtout c'est le seul risque naturel majeur avec lequel on peut se bagarrer. Les autres, c'est pas vraiment possible. Voilà, donc ça c'est un premier point, c'est le risque météorologique le plus dangereux pour notre pays, Guadeloupe. Du point de vue tellurique maintenant, nous sommes dans une zone de compression de plaques tectoniques, c'est-à-dire ce qui se passe sous terre. Vous avez le fond de l'océan Atlantique qui est en compression avec le fond de l'océan de la mer des Antilles, qui supporte, cette plaque supporte nos îles. Et cette compression nous amène des tremblements de terre qui sont beaucoup plus dangereux, potentiellement plus énergétiques que ceux des grandes Antilles. Nous sommes dans une situation identique à celle du Japon et de l'Indonésie. Alors des dates clés, par exemple le séisme du 8 février 1843 qui a eu lieu à 10h40 du matin et qui a détruit toutes les constructions de la Grande Terre, du Nord Basse-Terre et de l'île d'Antigua et notamment la ville de Pointe-à-Pitre qui a brûlé et il y a eu 3000 morts. Un tremblement de terre c'est méchant, c'est beaucoup plus méchant que des gros cyclones. Cette zone de compression entre deux zones océaniques, hein, océan Atlantique, mer des Antilles, vous amène ce qu'on appelle une zone de subduction. La zone de subduction, c'est un phénomène où vous avez le fond de l'océan Atlantique qui passe sous la plaque Caraïbe. Et ce phénomène de subduction nous amène à avoir une zone de volcanisme. Toutes les îles des Petites Antilles, à l'exception de la Barbade et de tout petit bout de la Désirade, sont des îles d'origine volcanique, Grande Terre, Marianne comprise. Et ça, c'est cataclysmal et ça détruit tout sur son passage. Donc, on confère la montagne Pelée le 8 mai 1902, bien sûr l'éruption de Saint-Vincent du 7 mai 1902, les dernières éruptions de Saint-Vincent en 2021, Montserrat depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, parce que Montserrat est toujours en situation éruptive. Nous sommes dans une zone de volcan explosif où le volcanisme, en interaction avec la mer, peut provoquer des tsunamis. Et donc des tsunamis, ben, il y en a régulièrement ici, de notre propre zone à nous. Montserrat nous a fait, par exemple, pour ses éruptions depuis 1995 jusqu'à tout dernièrement 2006, nous a fait 3 tsunamis sur la côte sous le vent, des en particulier, Terre de Bas-les-Saintes. Voilà, donc nous sommes concernés par ces phénomènes, ce qu'on appelle des aléas majeurs. Je dis aléas majeurs et méchants de la planète, et nous devons y prendre nos précautions. Donc pour résumer, le tremblement de terre ne prévient pas. C'est le risque qui concerne la totalité de la Guadeloupe et de son archipel. Le volcan, lui, alors j'ai oublié de le dire, mais le volcan, lui, prévient plusieurs mois, plusieurs années avant. Donc on n'a pas de risque volcanique imminent pour l'instant à souffrir, mais ça va arriver un jour. Au-delà de 2 ans, on ne peut rien dire. Le cyclone tropical, lui, ben, il se voit venir plusieurs jours à l'avance. Et le tsunami, bien sûr, c'est 2-3 minutes après le phénomène qu'il a créé. Voilà pour le contexte de la Guadeloupe. La prise de conscience, en fait, au niveau de la construction, donc je parle des professionnels du bâtiment et du génie civil, a débuté dès les années 2000, notamment avec l'arrivée de Patricia Balandier,
qui a formé beaucoup d'architectes et d'ingénieurs sur le parasismique via un diplôme de l'école de Marseille, qui est un diplôme en fait de post-ingénieur ou post-école d'archi, qui permet en fait de valoriser la prise en compte du parasismique dans les bâtiments, notamment la construction, le risque et la réglementation. Alors ça a été perpétué par le CAU par la suite. Et puis surtout, entre 2008 et 2013, il y a eu énormément de formations avec plusieurs sessions pour ce qu'on appelle les réalisateurs. Donc c'est tout ce qui est entreprise, chef de chantier, conducteur de travaux, artisan, qui était fait par l'IFBTP. Les formations qui ont été initiées pour les exécutants, donc les conducteurs de travaux, artisans, en fait c'était une formation qui était dans le cadre du plan séisme. Donc le plan séisme qui a permis en fait de conforter des bâtiments et de faire des diagnostics de vulnérabilité des bâtiments. Le parasismique c'est vraiment une philosophie, donc il y a des règles à respecter, notamment pour la conception. On a des formes qui sont plus favorables que d'autres par rapport au comportement, puisque le séisme en fait déclenche le mouvement du sol va entraîner le bâtiment et la maison individuelle, si c'est une maison individuelle, et qui va l'obliger à se déformer. Donc pour éviter qu'elle soit déformée, on va employer ce qu'on appelle des contreventements, on va mettre en œuvre des éléments qui vont être plus rigides et plus résistants et qui vont éviter que la maison à la fin ne se retrouve au sol. Donc ça peut être aussi dans le béton armé, rajouter plus de ferraille parce que le ferraillage va constituer une résistance supplémentaire au mur. Dans un bâtiment en bois, ça peut être rajouter des diagonales, pareil pour le métal. Donc on constitue en fait des éléments et après la réalisation doit suivre la conception et le dimensionnement. Et donc du coup, faire une maison parasismique oblige forcément à respecter aussi des dispositions constructives, des mises en œuvre pour que le concept global du parasismique soit respecté. On pourrait penser que construire parasismique est beaucoup plus cher qu'une maison construite non parasismique. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est clair qu'elle sera plus chère qu'une maison qui serait construite à Paris qui n'est pas en zone sismique. Par contre, le but du parasismique, c'est de faire une conception simple et régulière. Et cette conception simple et régulière, avec des formes globalement symétriques, va diminuer sur le coût global du projet. Et surtout, l'idée, c'est de sauvegarder les vies. On se rappelle toujours que le parasismique, c'est pas la sauvegarde des biens, mais c'est la sauvegarde des vies. L'idée, c'est que la maison, après un séisme majeur, bien sûr, elle va se fissurer et dans son comportement de fissuration, elle va dissiper de l'énergie. C'est comme une voiture, quand vous faites un choc, vous avez le pare-choc qui va être totalement abîmé parce que ce sera désintégré en intégrant l'énergie du choc. Par contre, les gens à l'intérieur de l'habitat vont être sains et saufs. Donc l'idée, c'est vraiment la même chose que pour le bâtiment. Souvent, il y a des gens qui construisent avec les frères, les cousins ou des amis qui sont dans le bâtiment. Si on arrive à former les ouvriers et former les gens du bâtiment et que ce sont ces personnes-là qui se retrouvent sur les maisons coup de main, ça peut être une bonne chose parce qu'on aura au moins quelqu'un qui aura la science du parasismique. Par contre, malgré tout, je rappelle que c'est une conception globale, aussi une conception globale via un architecte. Une maison coup de main ne peut pas être faite par tout le monde, il faut éviter, il faut toujours passer par des professionnels pour être sûr qu'on est en sécurité. Alors concrètement, en ce qui concerne la politique de l'habitat et de la construction, évidemment, le fait d'avoir une réglementation, même à l'échelle nationale, et des normes particulières de résistance au vent, de résistance au séisme. C'est déjà un premier point qui n'est pas forcément soit compris ou soit respecté pour des raisons souvent bassement économiques, parce que ce n'est pas une économie de construire n'importe comment. Et puis autrement, donc faire appel à des professionnels pour pouvoir bâtir, utiliser des plans béton pour faire des ouvrages en béton, respecter les plans qui sont faits, choisir des matériaux qui sont les bons matériaux. Du point de vue administratif, on a des politiques de prévention et d'organisation qui sont mises en place. Il y a des abris dans les communes, ça tout le monde le connaît, les abris anticyclones par exemple. Avoir des services de pompiers qui sont dans des bâtiments qui eux-mêmes vont résister aux aléas. Si elles s'effondrent évidemment, les pompiers ne pourront plus venir porter secours aux personnes. Et les secours et l'après-catastrophe et des bâtiments adéquats et des bâtiments à jour, que ce soit pas dans des bâtiments qui ont 40 ans. Alors entre les différents risques naturels, les plus importants on les connaît, hein, c'est le séisme
et le cyclone. Le problème du séisme, c'est qu'il arrive sans prévenir. Il faut être prêt avant ou savoir à peu près comment on va se comporter à l'avance. Donc on fait des provisions, on renforce le bâtiment, ne serait-ce que des contreplaqués aux fenêtres ou des choses comme ça. Le tsunami, c'est un petit peu plus récent. On connaît ce phénomène. D'abord, on imagine mal l'ampleur que ça peut avoir. Et il faut avoir l'information avant, c'est-à-dire savoir qu'il arrive pour pouvoir prendre la fuite, parce qu'il n'y a que la fuite comme parade. Il faut monter vers l'intérieur des terres, monter dans les hauteurs. Et on n'a pas encore vraiment des grandes solutions très, très adaptées. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que, a priori, les gens ne sont pas ignorants sur ces questions. Il y a un gros effort des institutions d'enseignement, par exemple, pour tous ceux qui ont été à l'école ici. On a tous fait des exercices de séisme, par exemple. Concernant les personnes qui sont récemment arrivées pour diverses raisons, évidemment, ceux-ci n'ont pas cette culture du risque, n'ont pas forcément déjà vécu un séisme, n'ont pas forcément même déjà vécu un cyclone. Ce sont justement ces gens-là qui sont tenter de construire de manière un peu légère. Il y a véritablement un coût de la construction qui est supérieur et qu'il faut assumer. Et la manière effectivement de construire, peut-être en revalorisant aussi la construction traditionnelle et le pourquoi du comment, surtout la construction traditionnelle. Je peux vous dire que mes parents qui ont vécu le cyclone Hugo dans une maison traditionnelle, ce qu'on appelle les cases aménagées. Pendant Hugo, ma mère m'a dit que cette porte-là, maintenant je comprends pourquoi elle est dans ce sens-là. La porte était fermée par le vent et non pas ouverte. Cette maison, on sait qu'elle a été reconstruite après le cyclone de 28.